Coucou tout le monde, c'est avec Oulien pour la 7ème partie de Donkey Kong Country Tropical Freeze. Et aujourd'hui nous sommes dans le niveau 1-2, pavé passe. Et regardez bien à l'endroit où il y a 3 sauterelles. Déjà tuez-les, ça vous fera quelque chose. Mais ici, maintenez le bouton A avec Diddy Kong, car c'est elle qui fait tout le travail. Maintenant descendez. Descendez jusqu'à atteindre un truc dans le genre. Et hop, une sortie secrète. Non, je l'ai découvert pendant que je rechargeais mon appareil photo. Et donc, je voulais absolument vous le montrer. Alors bon, sachez que... Bon, allez, on va faire le niveau qui est débloqué. Balade à Bananopolis. Et nous sommes dans un niveau qu'on ne connaît absolument pas. Enfin, que je ne connais absolument pas, mais vous non plus, j'imagine. Waouh! Bah dis donc. Le niveau déjà commence étrangement. Une accueil assez étrange. Ce niveau, il me rappelle les temples de Donkey Kong Country Returns. Merci. J'espère que ce sera pas un niveau trop long, car on doit... Non. Ça c'est un gros fail. Car on doit terminer banane... Non, car on doit terminer... Car on doit terminer le prochain niveau de la... Enfin, on doit terminer la savane ensoleillée et je tiens absolument pas à perdre du temps. Mais quand même, bon. C'est une bonne surprise de cette nouveauté qu'il y ait des sorties secrètes dans ce jeu, tout simplement. D'ailleurs, ce niveau est assez sympa. Il y a plein de bananes partout, de quoi se faire beaucoup de... De vie. Bah dis donc, je pensais qu'elle avait bugué dans les airs, hein. D'ailleurs, la musique est très belle, hein. En plus, ce niveau, il me rappelle mon jeu vidéo préféré, donc l'âge de glace 2, que je ferai aussi, enfin, que normalement... Alors, donc, je vous avais déjà expliqué que ce let's play est tourné avant que Super Mangaxi soit terminé. Mais l'âge de glace 2, je vais le faire après The Nuker HD, donc c'est à peu près en même temps que ce let's play. Je vois absolument rien. Hop. Alors là, on a une étoile que je dévore toute crue. Et ça nous donne une pièce banane. La chose dont j'en ai le plus besoin pour avoir des figurines. Parce que généralement, les figurines, ce sont toujours les mêmes. Et ça, c'est pas très très cool. Ah, forcément, un bonus. On en a bien crevé dans la partie précédente. Oh, ça va, c'est un bon bonus.
La musique est très belle d'ailleurs. Je l'avoue. Je crois que j'ai déjà dit en fait que la musique est très belle. Ah mince! Là, je suis ravie de ce niveau. Hein. Non! Ah! Je l'avais vu venir. Ça va, on n'est pas du tout loin. Enfin, je voulais dire, on n'est absolument pas loin. Au point qu'on est né au même endroit, en fait. Ah d'accord. Ouais bon, désolé les bananes anges, mais j'ai pas tout mon temps. Non, j'adore ce niveau. Après donc il y a un des deux autres niveaux qui a une sortie sur les côtés qui a une sortie de part et d'autre qui je pourrais dire, enfin je crois que c'est celui-là qui a une sortie secrète et lui c'est le temple. Mais bon, c'est pas tout, mais on revient à notre savane ensoleillée. Donc on en était à Broussailles embrasée. Toujours aussi beau le fond, c'est orange, jaune. Orange c'est ma couleur préférée. En même temps, abricoulaire, d'abricot, orange. Bon! Ah bah oui, embrasé, oui, c'est bien le terme. Ah d'accord, il y a de l'eau pour l'éteindre, il y a de l'eau! Oh non, purée! Ah d'accord, je dois faire ça pour le tuer. C'était sur de ma. Ah, ça se carbonise. Tais-toi. Ok, il y a du feu. Embrasé n'est même plus le terme. Hein. À ce moment-là, c'est... Ah, j'arrive pas à le trouver. Je l'avais trouvé il y a quelques... Carbonisé. Hop. Faut pas qu'elle attaque rien. Ça va. Oh tiens, c'est... Qu'est-ce que les tiki foutent ici? Attends, ça c'est un tiki, hein. De Donkey Kong Country Returns. Tout court. Je sais pas. Je sais pas, il était du 1, mais il avait pas de... Oh non, ça c'est... Non. Non, ça tu étends le moins. Après, on peut s'attendre à tout avec... Le feu dans... Même, il y a des archers de feu, hein. Et je perds toute ma vie, déjà. Et c'est toujours la même façon pour les vaincre, aussi. Donc, j'évite. Hop, on va se faire une bonne banane flambée. Non, là c'est plus rien, c'est le niveau de la L.
L'aile de la tibiale, j'ai trouvé ton niveau favori de Donkey Kong Country, de Donkey Kong Country Tropical Freeze. D'ailleurs, tant que j'y suis, c'est Tropical Freeze, hein. Freeze. Donc ça, ça se crame. Ça, c'est Monsieur le Tiki. Hein? Oh non, j'avais pas vu, j'étais concentré sur le Tiki, là. Non. Ça, c'est pas juste. Tiens, tu le... Merci. Bon, on va pas se préoccuper à tous les tuer, hein. D'ailleurs, ça me rappelle aussi l'âge de glace de ce niveau. Ah, mais ça m'énerve. Sur cette terre, ça crame toujours. Je voulais l'éviter, mais je voulais aussi éviter le sol. Là, tu dois tout éviter dans ce niveau, hein. Il n'y a plus rien à... C'est la panique. Panique à la fabrique. D'ailleurs, ça, c'est un lapin de feu. À chaque fois qu'il marche, il y a du feu. Mais forcément, ce coq, je voulais l'exploser. Désolé, vous n'avez pas le temps d'atterrir. Il y a du feu partout, là, elle. Je sais pas quel niveau tu pourrais aimer plus. Ah, merci. Ah, forcément. Forcément. Je pensais que ça allait être un niveau épique, et bah, pas du tout. C'est un niveau où tu crèves, tu crèves, tu crèves, tu crèves, tu crèves. C'est le niveau de joueur du grenier. Et de la L. Donc ça c'est une... Ah mais forcément... Oh oui. Ah bah croquis. De toute façon je crois que ça va être le plus pratique. Hop. Aïe. Oh. Après, là, ça me rappelle Kirikou, mais sans les flammes. Ce niveau, il me rappelle beaucoup de choses. Adieu. Mais... C'était quoi ce truc qui rebondissait sur... Attends, même le tonneau veut te troller avec le feu? Non mais attends, là c'est le niveau de la L. Hein. Même la fin, elle veut te troller. Enfin, elle veut te brûler. Tout veut te brûler ici. Il n'y a pas un moyen de faire un geste. Non, tout veut te brûler. Ah tiens, c'est directement ici. Cavale crépusculaire. Ouais, bon, on va le faire en guise de dernier niveau. J'espère qu'il va pas être trop long. Parce que 13 minutes, je vous rappelle, c'est du Super Mario Galaxy. Ah oui, c'est vrai, ça c'est... J'avais complètement oublié. Oh, bah ça va, c'est un niveau qui commence, c'est bien. On va prendre de Dixie parce qu'elle est cheatée. Oh non, non, pas ça. Monte. Non. Pourquoi? En plus, il y a un gros poisson, hein, de la mort. Ah, ça va. T'as plusieurs vies, tu meurs pas du premier coup. En plus, il y a des gros éléments en 3D qui te
Faut bien souffrir. Oh là là, le poisson. Oh non, j'aime pas du tout les niveaux comme ça dans Donkey Kong Country Returns. Mais forcément, là, c'est du Tropical Freeze, hein. Ça va être plus génial. Oh tiens, ils pêchent du poisson, les givrés pêchent du poisson. Oh mon dieu, ils ont forcément repris ce truc énervant. Ah tiens, j'ai vu la sortie secrète. Non, c'était même pas une sortie secrète, c'était un truc banal. Je sais même pas s'il y a une sortie secrète, mais sûrement oui. En plus, ça pullule. On s'attend à ce que ce soit unique, et... mais... Ah, d'accord, non mais... Ils ont fait le combo, là. J'applaudis. Ok, donc les roses, ils vont en haut, les bleus en bas. Donc ça, c'est Milu. C'est Milu. Ouais, c'est un petit repère. C'est la L. C'est la L. C'est Milu. C'est la L. Le niveau est déjà terminé? Oh non, il est pas déjà terminé. Eh, je l'avais tué! Ah! Ah bah tiens, il est... Non, il est mort! Attends. Ah, j'ai pas Dixie, c'est vrai. Hein? Ah d'accord, c'est là. Ouais, donc je sais où est la sortie secrète, mais il faut Dixie. Ah, dommage. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne avec le bouton qui est juste en bas de ce magnifique écran. Si vous voulez pas vous abonner car vous êtes un gros noob, cliquez sur le bouton vidéo pour visionner mes vidéos, justement. Et je vous dis, moi, à plus. Ah d'accord. Le dernier niveau, enfin le boss, il est là. Au revoir.